L'histoire s'enroule entre deux guerres mondiales. Il s'agit d'une escrimeuse, une jeune fille qui part pour l'Allemagne pour prendre des cours d'escrime chez un vieux ami de son père. Un vieux ami de son père qui est venu de la Première Guerre du Monde bourru, un homme déçu. Et elle va prendre des cours chez lui, c'est un maître d'escrime. Et pendant elle sur le domaine, Aix-en-Chapelle, en Allemagne, elle découvre un secret entre les deux hommes, un secret qui a brisé leur amitié. L'histoire de ce livre s'enroule presque comme une histoire, presque comme un match d'escrime soi-même. Parce que l'escrime, au début, les deux escrimeurs, ils sont pareils. Ils sont tous les deux devant les masques, avec le masque. Ils sont pareils, ils sont inconnus presque. Et quand tout se change, c'est quand on traverse la ligne médiane. Et tout le livre s'enroule comme ce match, c'est un peu comme une métaphore. L'escrime, le sport de l'escrime, c'est comme une métaphore de ce temps, parce que tout le livre s'agit de ruptures, de frontières entre deux pays, entre deux vieux amis, entre deux ennemis peut-être, entre l'enfance et l'âge adulte et entre deux guerres mondiales. La fille, la jeune fille, 8 ans d'avant, elle a vu une escrimeuse, une championne du monde pendant l'Olympiade d'Amsterdam. C'était Helene Mayer, c'était une escrimeuse qui avait, à l'époque, elle avait une aura, une allure de star, quoi. Presque comme une Marlene Dietrich, le ciné. Elle était un modèle pour nombreuses de filles à l'époque. Le personnage principal de ce livre, Jeanne, soi-même, elle est une escrimeuse et prend des cours sur un domaine. Et à le domaine, on fait une pratique qui est typiquement allemand, un rite, presque un rite de tribalisme, on peut dire. Ça s'appelle le Mensur. C'est aussi l'escrime, mais avec de vraies armes, sans protection. Et le seul but de ce rituel, de cette tradition, c'est d'obtenir une cicatrice sur le visage. Et ça, ça m'intéressait vraiment, parce que c'est tellement presque sauvage, c'est tellement tribal. Mais en même cas, ça se trouve en Allemagne avec beaucoup de règles. Alors, cette jeune fille, elle vient dans ce monde masculin, parce que c'est un rite de passage pour le jeune homme vers la masculinité, vers l'âge d'adulte. Chaque livre s'agit de vouloir échapper à la réalité, de pas être soumise sous les règles. C'est presque, ça unifie tout mon travail. Pas être soumise d'une seule vérité ou une seule version de vérité. Le personnage principal toujours essaye d'être autonome. Et bien sûr, dans ce cas, le sport d'escrime permettait de donner le personnage principal plus de pouvoir qu'une fille, une jeune fille à l'époque des années 30 en Europe pouvait avoir, parce que c'était toujours un sport très émancipé. C'est pour ça que
ça me donnait la liberté, plus de liberté de donner ce personnage, une jeune fille, un caractère. J'ai écrit ce livre dans un endroit qui m'inspirait vraiment, où j'habite toujours, à la frontière de trois pays, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. Et quand on habite dans un endroit comme ça, ou quand on traverse la frontière, c'est toujours chargé avec l'histoire, avec les langues. On ne peut pas oublier ça, on ne peut pas faire comme s'il y a seulement une langue, anglais par exemple. Ce n'est pas vrai, c'est la beauté de l'Europe aussi. Et ça m'a inspirée pour ce livre, ces différences. Et aussi peut-être une folie de la frontière, comme frontière, c'est coupé, ça coupe toujours. Comme dans une partie, comme dans un match d'escrime. Alors il y a au début un équilibre toujours, mais le risque commence, ça devient risquant quand on traverse les symétries, quand on brise les symétries, la symétrie. Et bien sûr, l'époque entre les deux guerres mondiales était très lourde avec ce risque, toujours. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Oui, la situation maintenant en Europe, c'est tragique et c'est pour moi, personnellement, c'est traumatique parce que j'ai passé 10 ans de mon jeunesse à Russie dans les années 90 et c'était une époque, la Russie était pleine d'espoir de faire partie d'une Europe unifiée. Et maintenant, c'est tellement différent, je ne veux pas dire que j'ai prévu cette guerre, bien sûr, parce que je ne suis pas un prophète, mais la mentalité qui est la cause de cette guerre, la mentalité de xénophobie et de nationalisme qui était tellement fort pendant le pouvoir de Poutine, la mentalité qui a fait possible cette guerre. Ça, j'ai prévu. Et c'est tragique, c'est vraiment un cauchemar. J'ai des amis, bien sûr, qui essayent de s'enfuir la Russie maintenant. Et c'est pour ça que je trouve importante aussi que, dans cette situation, que l'Europe soit fière de sa liberté et les valeurs.